quelqu'un qui a vu juste. L'ami a capté un signal de ce satellite. Voyons à quoi on a affaire. Je ne suis pas fier de cette chasse. Une tâche sur mon héritage. Un déshonneur. Néanmoins mortel. Trouvez-les. Tuez-les. Kraven. Combien de cibles il y a encore sur sa liste? Un drone? Il se sert de ce réseau satellite pour traquer ses cibles. Oh, tu t'en sortiras pas comme ça. Je reçois un pic de données venant du drone. Si je reste assez longtemps dans son sillage, Matenu pourra extraire les données imbriquées et me mener tout droit à lui. Ces trucs tirent des bombes ? Ça se télécharge bien. Allez, plus que 10%. Je dois vraiment éditer ce canon. Je devrais avoir les données. Alors, Kraven, où est-ce que tu retiens Lee? Quoi? Toutes les cibles ont été compilées dans un seul fichier? Le drone n'avait pas d'infos sur Lee. Mais ces personnes ont besoin de moi. Sinon, leurs têtes finiront parmi les trophées de chasse de Kraven. Si je trouve d'autres oiseaux du genre, je pourrais décrypter leurs données et découvrir l'identité des cibles avant qu'il soit trop tard. Je devrais envoyer les données vers les Speeder serveurs. Ça devrait intéresser Pete. Harry? Est-ce que Pete est avec vous? Salut. Non. Écoute, je vous ai vu poursuivre un de ces robots volants aux infos. Est-ce que vous auriez besoin d'une assistance technique? Genre, maintenance de l'appli, par exemple? En fait, j'ai déjà quelqu'un qui s'en charge. Ok. Désolé, c'est juste que je me sens inutile. Et ma mère m'aurait dit, si l'opportunité est timide, fais le premier pas. Même si elle est plus là, j'écoute encore ses conseils. C'est peut-être bizarre. Non, je fais pareil avec mon père aussi, des fois. Ça me console de pas être tout seul. Merci. Et bonne chance à toi. Ouais, vous aussi. Peut-être que j'aurais besoin de quelques conseils. Salut, papa. J'aurais besoin de ton aide, là. Je fais tout ce que je peux pour retrouver Lee, mais... je suis vraiment à court d'idées. Je sais ce que tu dirais. Un héros n'abandonne jamais. Et j'abandonne pas, mais... c'est juste que je sais plus quoi faire. Je suis... peut-être que... je devrais juste oublier tout le reste et passer tout mon temps à traquer Lee. Non. Si les gens ont besoin d'aide, je vais les aider. Et je vais trouver Lee. Si Pete est trop occupé... non, après tout, je suis Spider-Man, moi aussi. Je peux gérer la situation. Mais... tu peux me souhaiter bonne chance? Merci, papa. Je t'aime. Alors, qui a besoin d'aide par ici? Tiens, on dirait bien qu'un graffeur en a fait un peu trop.
Je ferais mieux d'aller voir. M'a laissé un message. Miles, à propos des pièces de musée volées, je suis allée à la fourrière et j'ai trouvé un vieux numéro de téléphone sur le camion que tu as poursuivi. Je tiens peut-être une piste. Ça te dit de déjeuner avec moi dans le parc près de mon bureau? C'est moi qui régale. Tout indice est bon à prendre. Si on trouve pas ce camion, le musée devra fermer. En plus, je dis jamais non à un bon sandwich. Salut, MJ. Hey, Miles. Je viens de parler à Pete. Il va chez le docteur Connors, dans le Queens. Tiens-toi prêt au cas où il aurait besoin d'aide. Ah ouais, pour de vrai? C'est Pete qui t'a demandé de m'appeler? Non, mais... deux Spider-Man valent mieux qu'un, tu crois pas? Ouais. Ok. Merci, MJ. On dirait qu'il a pas besoin de moi. Je pourrais rendre visite à... Vu que Connor soit chez lui. Et que son alter ego tout vert n'ait pas pris le dessus. Docteur Connors? Docteur Connors, vous êtes là? Ça fait combien de temps que ça sonne? La famille de Connors. Sa femme est partie avec son fils après le premier accident du lézard. Ça dérange pas Craven. La chambre de son fils. Un ami des bêtes. Deux lavabos. Mais il n'y en a qu'un d'utilisé. Doc ? Connor c'était bien là. Et il s'est battu de toutes ses forces apparemment. Recherche sur la recombinaison génétique? Il était revenu se guérir. Mais ça doit pas être pratique de faire des expériences dans son salon. Trop chou. C'est la chanson du mobile. Qu'est-ce que Craven vous a fait, Doc? Ces échantillons sanguins sont pour un décodeur de génome. Connors a un labo ici? Ah, il s'est donc enfui par là. Pourquoi t'es pas par terre, toi? Coucou.
aucun chiffre sur le pavé. Connors adore les secrets. Ce labo devait offrir un abri à lui et sa famille chaque fois qu'il faisait une crise. Des vivariums de reptiles pour les premiers tests de régénération de Connors. Je sais toujours pas comment il a perdu son bras. Les capteurs de mouvement ont activé les caméras il y a une demi-heure. Qu'est-ce qui manque ? Il fallait juste faire un test sanguin. Docteur Connors, battez-vous! Craven va payer pour tout ce qu'il a fait subir à Connors et ses proches. C'est typiquement ce qui plaît à Craven. Le sang de Connors. Hein? Couvre la porte. Cette bestiole peut être n'importe où. Vous n'avez pas idée. Tu es une proie sublime. Digne de Craven. Je vais vous dire ce qui va se passer maintenant. Vous laissez Connors tranquille. Il ne mérite pas ça. Mais si vous, Craven, continuez de l'embêter, vous aurez affaire à moi. De ce qu'il a fait à Connors. Ah, c'est pour se prouver quelque chose. C'est rien de plus qu'un jeu pour lui. Toi et le lézard, vous ferez de magnifiques trompes. Craven veut une chasse. Je vais lui en offrir une qu'il n'est pas prêt d'oublier. Craven vous aura tous les deux. Il va regretter d'avoir mis les pieds à New York. Yeah!
Les satellites scannent tous les flux actifs. Calcul de la position en cours. Cible localisée au marché aux poissons d'Harlem. Appel à toutes les équipes. Le lézard est de l'autre côté de la rivière. J'y serai jamais à temps. Début du 19e ? J'adore les tresses. Ok. Ouais, ok. Je vois le genre. Lee court toujours. La ville a besoin de moi. De Spider-Man. Pour l'instant. Excuse-moi. Pete ? Qu'est-ce qui se passe ? Le marché ? Ouais, j'y serai. Désolé. Je t'envoie un message. C'était trop bien. La fresque, je veux dire. J'attends toujours que Pete me rappelle. Hé, hey, comment ça va avec Hailey ? J'ai abrégé. Le lézard s'est enfui. J'ai besoin que tu m'aides à le localiser. Le lézard ? Et sinon, Hailey pense que je suis totalement fou de vouloir trouver Lee. Comme tout le monde, on dirait. On veut te protéger. La vengeance, ça... Je cherche pas à me venger. Mon père a toujours cru aux deuxièmes chances. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est mon boulot à moi de vous protéger. Ça devrait pas être l'inverse. Compris. Alors, attends deux secondes que je lance mes machines. Ça a l'air vide, mais je ferais mieux d'aller voir. Je vais avoir de la compagnie en fin de compte. On se déploie, maniez-vous! Go, go, allez! Par deux, formation serrée. Ils ont des drones pour suivre le lézard. Je pourrais peut-être m'en servir. C'est quoi ça, un système de défense? D'accord, c'est bon à savoir. Je vais garder mes distances. Je peux pas les laisser attraper le lézard. Je dois les neutraliser. C'est encore moi. C'est bon, je suis à mon poste de combat. Beaucoup de chasseurs. Ils utilisent leurs drones oiseaux pour tracer le lézard ? Sans doute, ouais. Mais pourquoi ? J'ai une idée. Je tente un truc pendant que tu nettoies l'entrepôt. Ne veut pas de cette araignée. Descendez-le, ou il va effrayer notre roi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? D'ailleurs, votre proie vient de manger 3 tonnes de poisson mort. Et elle voudrait bien changer de menu. Donc s'il y a une proie ici, c'est pas du tout le lézard géant. Ah 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 ah
Jamais de te regarder coller des raclés. Et on a le piaf. Voici ta tenue peut contrôler la carte mère du drone. Ok. Je vais tenter le coup. Ok. Ma tenue se connecte. Voilà. Loué soit Unix. Ok. Je reboot l'altimètre et... Je vole. De quoi j'ai l'air? Ben, d'un drone volant, mon pote. Oui, mais d'un drone volant qui suit la trace du lézard. Génial. T'es rapide. On dirait qu'il est de l'autre côté. Oh, oh, c'est aussi maniable qu'un tank. Oh, 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 ça va faire mal. Lanky, ça va? Ouais, mais je crois que j'ai bouché le passage. T'inquiète. On se retrouve de l'autre côté. Le garage devrait me conduire à Ganki et au lézard. C'est parti. C'est pas Ganki qui a fait ça. Et la soirée sushi. Vas-y, la porte numéro 1. La vache! Mais t'étais où, sérieux? Aucune idée, mais j'ai vu des trucs. Ouais, pareil. Allez. On doit trouver ce lézard. Cool, ouais. Mais je trouve qu'il n'y a aucune trace. Il est quelque part par ici. Sa queue a failli m'avoir. C'est difficile à dire. Les données de traçage des drones sont très incomplètes. Ganki, reste derrière moi. C'est coincé. C'est seulement sa peau. Est-ce que ça veut dire qu'il va grossir? Ouais, et son appétit aussi. Waouh. Salut. Nouvelle tenue? Ça grouille de chasseurs par ici. T'as suivi Connors? Ouais. Ganki tient une piste. Bonjour, monsieur Barker. Monsieur... Spider-Man, je veux dire. Mais les données sont incomplètes.
J'ai de quoi vous aider. Ah, c'est du sang ? Non, attendez ! Essayez de le mettre là-dedans. Scanner intégré. Pratique. Oh la vache ! Super échantillon ! Tenez-moi deux secondes. Ok, j'ai trouvé quelque chose. Ganky, attends, t'excite pas ! C'était pas moi. Moi non plus. Moi, j'ai pas d'estomac, du coup... C'est parti ! Allez, on fonce ! Je peux pas perdre Connors. Harry va mourir, et il est le seul à pouvoir l'aider. T'inquiète, tu prends les drones, je m'occupe des jet skis. Spider-Man est là. Je peux emprunter ça ? Alors ça, c'est vraiment palpitant ! Hé, hey, t'endors pas ! Fais gaffe à ces drones ! T'en fais pas, ils me prennent pour un des leurs. Spider-Man ! Descendez-le. Hé hey, vous m'avez pas invité sur votre yacht? L'East River n'est pas une rivière, mais ce qu'on appelle en fait un replat de marée. Spider-Man, il est en train de se battre! Couchez-vous! Sauve les touristes! Ok! Je m'occupe de l'artillerie volante! Je vous avais prévenu de ne pas vous frotter à Connors. Vous l'avez bien cherché. Nuage toxique? Vous avez rien de mieux? Ça y est, presque! Les civils sont tous sauvés! Je t'en sors! Ah, il me saoule ce truc! Je suis pas loin de toi! On va s'en occuper ensemble! Pas le temps! Je te tiens! Ça va péter, les gars! Non, non, non! Spider-Man, ils ont... des défenses! Spider-Man, j'arrive! Là-bas! Celui avec les filaments! Go, go, go!
Il nous a échappé. T'en fais pas, Pete. J'ai le tracker. Allons-y avant qu'il s'éloigne trop. Non. Il est à moi. T'es sûr de toi? Il a de grandes dents, quand même. Moi aussi. Il est pas dans son état normal, si? Non. Ça lui ressemble pas du tout. Le mouchard indique que Connors est dans les égouts de l'Upper West Side. On se dépêche. Hé, hey, ça a donné quoi chez Connors? Rien, mais je le localise. Pete, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu me caches quelque chose. Miles n'était pas au top. On tenait presque le lézard. Je suis sûre qu'il voulait juste t'aider. Parfois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. T'es injuste, Pete. On est une équipe. C'est de Connors qu'on a besoin maintenant. Pour Harry. Ok. Fais-moi signe si tu le trouves.